Moi, je suis arrivée à Amos en 2010 dans une place que le milieu des affaires était très bien établi. Moi, j'arrivais de Chibougamau, une petite ville au nord, puis je trouvais important de tout de suite embarquer dans le mouvement affaires d'Amos. Puis j'ai découvert par le net ou encore les journaux qu'il y avait les femmes en affaires dans notre région. Puis par curiosité, je suis venue à souper. Puis sur le plan personnel, ça apporte une valorisation, je dirais, une valorisation en deux points. Une valorisation intérieure de voir, d'être capable de démontrer aux gens de notre milieu de femmes qu'est-ce qu'on fait, vers quoi qu'on va, de pouvoir l'expliquer. Puis du milieu externe, je dirais, le rayonnement des femmes en affaires dans le milieu à Amossois. Ben, moi, je dirais de venir voir la dynamique qui se passe. Puis moi, je pense que les gens connectent. Puis, ce qui est beau avec les femmes, c'est qu'on se rend compte que c'est toutes sortes de gens qui connectent ensemble. C'est pas un type précis non plus. Fait que, juste par curiosité, venir faire son tour. Puis après ça, ben, l'essayer, c'est l'adopter.